Si tu nous tabasses, si tu t'emballes. Monsieur, c'est bon, bonjour. C'est possible de savoir pourquoi le dispositif n'est pas allégé alors que ça s'est bien passé dans les premiers jours? Ça tourne, ça? Ouais. Quand on discute, il faut discuter tranquillement. On peut discuter de vous à moi comme ça. Je voulais leur dire, par contre, tout convoi de gendarmerie. Pas de piétons sur la route. On avance. Hein. Tu vas avancer vers. On se met sur le trottoir du coup. Non, mais on va pas rouler à la vitesse d'un piéton. C'est ce qu'on dit normalement. Non, il n'y a pas de si. C'est pas de non. On va avancer. Caillou. Il faut ouvrir la circulation comme toutes les autres routes départementales dans les mêmes conditions. Mais dans les mêmes conditions, ça veut dire sans dodane, sans... Non, c'est interdit les dodanes hors agglomération. C'est trop dangereux, si vous voulez. Et même mais ça, de toute manière, c'est pas avec vous qu'on en discute, c'est avec la préfecture. D'accord. Ça sert à rien d'avoir cette discussion là avec vous. D'accord. Bon, on est d'accord. Bon. En vrai, parce que si ce n'est créer de la confusion, ça va créer rien de plus. Oui, mais c'est bien de dire au mec là que, en fait, nous, c'est dangereux pour nous qu'il y ait cette route roule à 90. Quand vous dites que c'est dangereux d'avoir une dodane, c'est dangereux qu'il y a des gens qui habitent juste à côté de la route et que ça roule à 90. C'est très dangereux les dodanes hors agglomération. Oui, donc même on en agglomération, on peut mettre des panneaux, si vous voulez. Mettre des panneaux, on peut... Ouais. Si vous avez d'autres moyens de la ralentir, ça va. Bon, pour l'instant, on est au curage. Hein, des chicanes. Ouais, mais apparemment, il y a des chicanes. Non, mais on va remettre des chicanes sur la route des chicanes. C'est pas possible. Mais vous avez d'autres idées de ralentir ça? On va mettre des chicanes sur la route des chicanes. Non. Alors, symboliquement, ça ferait défaut. Quoi. Non, faut être raisonnable. D'accord. Oui, ça va être pour temps. C'est qui raisonnable? Il est où? Déjà, la bouteille de gaz, faut la virer. C'était pour tasser. Ouais, bon. Enfin, c'est pour tasser. À mon avis, la voiture, là, elle bloque. Non, ouais, c'est sûr, mais on est vraiment en train d'essayer de faire que ça passe. Pourquoi vous mettez pas, comme vous le faisiez avant, là, vos chicanes avec des trucs, c'est très bien. Des chicanes, c'est bon? Non, mais des chicanes. Allez, on s'y a tous comme ça, on s'arrache pas. 100 mètres, c'est bon. Pas des chicanes. Qu'il y ait des trucs sur la route, qu'il y ait des objets sur la route qui fassent ralentir si vous le voulez. Ah, oui, ok. Oui. Mais ça sera toujours interprété comme une obstruction. Eh, moi je suis venu, je suis handicapé, j'avance à mon rythme. Merci. Handicapé, le cerveau, oui. Attends, doucement, ça fait mal. Pas mon dos. Attendez, j'ai un truc dans la chaussure. Mettez vos trucs, les citernes, les brûlots, etc. Vous mettez ça sur des espèces de blocs, en fait. Et vous vivez dessus. De toute manière, vous vivez dessus. Et de toute manière, personne roule si ce n'est vous dessus. Ouais, mais si ça vous va, ces chicanes-là, c'est cool. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut que le chemin il soit viable. C'est-à-dire qu'un véhicule puisse passer sans que le conducteur à descendre pour virer quelque chose de devant. Voilà, c'est... Enfin, en plus, depuis le début, ça se passe bien comme ça. Hey, il arrête, il va mal.
Il n'y a pas de problème, votre soutien blanc et tout, mais moi, ici, je vous l'ai dit, depuis 4 semaines, je suis ici quasiment tous les jours, ouais. Et je discute avec vous, et moi, je ne suis pas à Bure, je ne suis pas responsable de Bure, je suis responsable d'ici. Donc voilà, la question, c'est virer ça. Virez eux, et vous mettez vos chicanes avec vos brûlots et tout, on vous les laisse depuis 4 semaines. Bah, moi, je vous dis... Ce qui se passe à Bison Fumé, là, en bas, là. Les obstacles, etc., tout ça. À partir du moment où c'est amovible, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, il n'y a aucune attaque sur les chantiers. Hein. Ça roule. Allez. On protège leur pas du convoi. Allez. Merci. Voilà, bon, on revient quand même à ce qui nous occupe, c'est-à-dire... C'est quoi les travaux pour la suite? Vous savez, tout dépendra de la manière dont on doit manœuvrer pour que les travaux se fassent. La finalité, c'est du nord au sud. Vous savez que vous êtes les seuls responsables du fait qu'il y a un problème ici. S'il n'y avait pas de flic, il n'y aurait rien. Tout, si vous ne serez pas là. Je vous laisse libre penseur de vos propres pensées. Il y a une voiture sur la gauche, vous êtes obligé d'aller sur la droite là. On n'a pas le temps, on ne peut pas passer à gauche. On est obligé de passer à droite. Vous avez quand même mutilé des gens, vous avez arraché 3 yeux ici, laissez-moi finir s'il vous plaît, vous avez arraché des doigts de pied et autres, vous avez assassiné quelqu'un au testé, qu'est-ce que vous foutez là encore? Vous avez assassiné des gens, vous êtes des assassins. Je reviens au début des travaux, me semble-t-il, hein, puisque j'y étais aussi, le conseil départemental, après il y aura. Putain, vache, mais tout le monde est là. Trois personnes qui n'ont aucun tracteur, le tracteur avancé, les personnes reculées. Vous parlez de règles de l'art, monsieur, vous n'avez rien à voir avec des artistes, vous êtes des exécuteurs. Vous êtes des exécuteurs. On vous demande d'utiliser la matraque, on vous demande d'utiliser la flashball, vous le faites. Vous n'êtes pas là pour réfléchir. Vous êtes là pour exécuter les ordres qui vous sont donnés. Même si vous les considérez comme étant. On ne l'a pas oublié. Tous les blessés qui ici. Ça comprend faire du mal. Les gens à qui vous avez arraché les yeux. Même si ces personnes, en fait, vous êtes d'accord avec elles. Sur le côté, s'il vous plaît. Sur le côté. Je connais plein de maisons qui sont construites à moins de 4 mètres du bord de la route et eux, on leur dit rien, quoi. Non, mais c'est beaucoup plus. Normalement, c'est 15 mètres quand on est sur une route départementale. Il faut admettre que c'est une ville ici maintenant et qu'il y a des gens qui vivent au bord de la route. Justement, 4 mètres, on vous fait respecter ce qui est comme une ville. La préfecture est d'accord pour mettre la route à 30 km/h. Du coup, c'est pas indispensable que les cabanes soient à 4 mètres. Si, parce que c'est comme vous le savez très bien, aussi bien que moi, il y a une commission de sécurité qui va passer avant pour des questions de normes et respectées. Et la route ne sera jamais ouverte parce que vous êtes. Il reste un obstacle dessus. En gros, quelqu'un qui perd.
Non, non, elle est pas ouverte pour l'instant, monsieur. Mais si, on roule tous dessus. Non, 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 elle est pas ouverte. Il y a un arrêté. Pour nous, elle n'a jamais été fermée, cette route. Il y a un arrêté. Il y a une responsabilité du conseil départemental. C'est le préfet qui l'avait fermé. Non, non, c'est le président du conseil départemental qui l'a fermé. Ouais, et on l'a rouvert. Donc, si on roule dessus, moi, c'est quand même grave. Juste qu'elle ne sera pas rouverte s'il y a un obstacle. Parce que pour une question de sécurité pour les usagers. On va nettoyer, si vous voulez. Il y a deux objectifs dans le nettoyage de la route. On va raser et puis enlever tous les produits de broyage qu'il y a dans le fossé. Et on reconstitue le fil d'eau, pour qu'il y ait des rétentions d'eau. Et on essaye d'enlever le maximum des petites racines. C'est des racines ça. Donc ça, c'est du nettoyage classique, on fait tous les ans sur toutes les routes. Je t'enregistre. Parce qu'autrement, toi, t'es dans le lieu, t'es à la grille, t'es ou quoi ? Ouais, ouais. Ah, oui. D'accord. Et il y a combien de réellement de personnes qui, aujourd'hui, sur la route, il y a personne qui est en permanence sur la route ? Non. Hein ? Non. Mmh. Donc, après, des cabanes qui sont vraiment à cheval, par exemple, il y en a une ou deux. Qu'une. Le gars qui fait le cidre, là. Bonjour. Bah, il a un pont-levis qui traverse le fossé. Oui, enfin bon, il est là une fois de temps en temps, lui aussi, non ? Non, il est... Non, de il plus est, en plus longtemps. Très souvent. Oui, enfin, il pourrait se mettre ailleurs. Je sais pas. Non, mais je... Faut lui demander, mais... La truc, elle est grande. Oui, si, la ZAD est grande, il y a de la place. Si on déblayait le chemin de Kimki, par exemple, le chemin du Sabot, la Rainette, eh ben, les camions, ils peuvent aller sur ces chemins-là, déjà. Oui, peut-être. Pour moi, c'est à discuter largement ce genre de choses par les concernés. Non, c'est le premier coup que j'en parle de ça. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se cristalliser. Je ne sais pas si tu étais là à la dernière assemblée des usages. Marcel Thébault a piqué une colère en disant pour 3 km ou 2 km, est-ce qu'on va foutre par terre l'arrêt du projet ? Non, c'est ça l'interrogation. Bon, aujourd'hui, il n'est pas par terre. Mais demain, on peut éviter peut-être une évacuation de la ZAD par ça. Mais ce n'est pas du chantage que je te fais, ou que je vous fais. C'est une ouverture de discussion qu'on n'a peut-être pas forcément eue avec le coin de l'Est, si on veut, pour être vulgaire. Et c'est sans doute pas avec des assemblées de 300 personnes ou 200 personnes qu'on pourra l'avoir. Et moi, je vous fais une offre de vous rencontrer pour discuter de ça à ton entourage. Oui, je pense qu'ils viendront dans les prochaines réunions, mon entourage. Mais... Oui, mais avec 300 personnes... Oui, on ne peut pas en discuter sereinement. On va partir sur des prises de position de gens qui ne sont pas sur le coin. Je pense à des gens de la Maison Rose, je pense à d'autres maisons dans l'Ouest, ou qu'à la limite, je préfère vous entendre, vous, qui est au quotidien sur cette zone-là, plutôt que ceux qui sont à l'ouest, ou qu'à la limite, ils viennent là que comme moi, en passage. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ah, c'est plus tranquille qu'à Bure ici, hein. Des indicatifs et pour relais à klaxon, donc il y a les flics qui viennent d'expliquer que ce matin ou aujourd'hui, c'était pas très clair, c'était ce matin ou toute la journée, ils avaient des travaux à faire que entre les planchettes et la friche, et donc que leur dispositif était en haut et qu'ils allaient reculer jusqu'à au-dessus des planchettes et faire les travaux là-haut pour l'instant. Voilà, terminé. Je
Ouais, si tu veux. Il veut se voir avec la. Ah bah t'as raison.